Eh bien bonjour à tous les amis, donc voilà, avant cette petite vidéo je tiens à vous dire que c'est pour une mise à jour d'Everfight, mise à jour Halloween, donc voilà je vous invite à regarder la vidéo, je vous invite à regarder en entière la vidéo parce qu'il y a un base tour plus la présentation de la mise à jour, du coup voilà. Sur ce, voilà, likez, il y a 500 points boutique à gagner, lâchez votre like, le dernier gagnant des points boutique apparaîtra à l'écran. Sur ce, ciao bye, c'est Mir, merci d'avoir regardé cette vidéo là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se capte demain pour une nouvelle vidéo. Eh bien gros les amis, donc voilà. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va présenter la mise à jour d'Everfight. Donc voilà, concernant Halloween, ils ont fait une bonne mise à jour. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors pour aller à la mise à jour, pour voir la mise à jour, c'est slash warp Halloween zone. Donc voilà. Alors je vais vous présenter un peu tout ce qui s'est passé durant la mise à jour le 30 septembre. Donc voilà, la vidéo sortira le jour d'Halloween. Du coup voilà. Alors vous faites slash warp Halloween zone et vous avez un PNJ Samir. Samir en fait, c'est un truc de quête. Vous devinez par exemple 600 blocs d'obsidienne. Il me donnait 85 000 citrouilles. Donc moi j'ai pas de farm donc je suis un peu baisé. Mais j'essaie de trouver une technique pour avoir des citrouilles. Après vous avez de la win box. Je sais pas c'est quoi le prix de la win box, mais en tout cas quand vous faites clic droit ça vous donne des items aléatoires. Et là j'ai gagné 16 void blocks. Ah oui c'est pas, ça permet de creuser. Là j'ai gagné un zirconia. Voilà c'est des pendis comme ça, il y a des quêtes différents pour avoir des différents loot etc. Après vous pouvez acheter des win box de gagner des items plutôt sympathiques. Après vous avez des spawners un petit peu partout, là c'est pas encore du PVP, là vous pouvez le farmer encore tranquillement. Par contre là-bas il y a le PVP, il y a le PVP, donc je... Oh le zinc il avait des L2, donc en gros... Attends il avait une bonne épée quand même non? Ok une T2 je prends, c'est la reste. Alors après ici vous avez le PNJ, ici il y a le PVP, par contre dès que vous sautez ici, il y a le PVP. Et après vous avez des spawners Enderman, etc, Pigmen, squelette, etc. Et en... Ah là là, mais après ici, vous venez ici, il y a Jack. Alors après, il faut répondre à une question, questionnaire. La date d'Halloween, 31-10. Après voilà, ici avant, il y avait des creepers et des dynamites. Il y avait 10 dynamites à 500$ et un creeper à 5000$. C'est largement moins cher. Vous pouvez vendre les autres 10 fois plus cher, les citrouilles plus chères et le fer 1,75 le lingot de fer. Donc voilà, après par exemple, vous devez répondre à une question. T'as de la Suède, c'est Stockholm. Après hop, voilà, AKH de machin, c'est Kryptonite. Qui est un panda, Nakuzu. Après la première date d'ouverture. What the fuck zinc, j'ai pris un putain de truc. What? Il y a un zinc qui lance des trucs. Alors après hop, Jack reviens ici, voilà, première date 21-08. Donc voilà, après ça normalement ça va changer. Il y aura des items spéciales moins chers etc. Donc voilà, venez ici voir par Halloween. Après du coup voilà, j'ai fait un peu le tour. Je voulais vous présenter la base. Il y a News BP, par contre je sais pas c'est qui fait ça, mais le cancer. Bon on va jeter tout ça hein. Parce qu'en fait l'ESCO s'est fait piller, j'étais dans la base à l'ESCO. Mais il s'est fait piller. What the fuck. Allo, allez, allez, mais... Mais gros, si vous qu'on passe. What the fuck, mais... Je suis kéblo ici. Bon. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je sais pas. En tout cas, il y avait une putain de base avec des spawners bon dessus, mais je sais pas où on accède en fait. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais faire avoir le FOM de la base, mais c'est bizarre que je peux plus. C'est bizarre parce qu'avant il y a la blinde de coffre, etc. Mais c'est pareil, on s'est fait piller du coup là. MTP, let's go. Ah, ce qui est bien. Là, du coup, en fait, on a un FOM avec plein de trucs comme ça. Et on peut faire. Bon, en gros, tu peux accéder, donc c'est un peu chiant. Tu peux me TP à la Sky pour ma vidéo. Donc voilà, après mon OC, il y a quelqu'un qui m'a fait donné ça, je vais le repair. J'ai acheté deux dynamites vu que c'était moins cher. Là j'ai un peu... je rec là. Bon c'est pas grave, bien si veut pas me TP là. Je vous ferai voir dans la prochaine vidéo, au pire ça sera plus mieux. Je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo. Ok là c'est bon. J'espère pas que ça va me TP par contre. Si ça va me TP du coup on va attendre. Hop, je vous fais avoir du coup la base que l'ESCO a faite. Il y avait un putain de truc, mais ça s'est fait piller. Il y avait la blinde de P4, dommage. Moi j'avais pas joué, du coup c'était pas mes stuff, mais c'était à lui, donc il y avait beaucoup de stuff. Alors je vous fais voir ça tout de suite. Alors, oh d'accord, c'est Tom BP. Alors, je sais pas. Ah, mais c'est ça en fait. Il a refait. Ah, mais ok, je peux pas faire voir ça. Ah d'accord, en fait il y avait deux rangées tout à l'heure. En fait il a fait ça mais que en full coffre sécu. D'accord, mais sauf que je n'ai jamais réussi à les ouvrir ces coffres sécu. Genre no fake. Non. Ouais bon bah, pas grave, hein, j'arrive pas à les ouvrir. Bon, en tout cas normalement il doit y avoir du stuff dedans vu que j'arrive pas à ouvrir les coffres. Ah si, oh, voilà il y a des punch. Full protect. D'accord. Il y a des... Gros,
Y'a un mec? Mais du coup, bon. En tout cas, voilà. C'est la base TP toi. TPA, let's go. On dû me TP. Oh non. Slash poubelle, les skins poubelle, ouais. Putain, c'est leur fiche de merde. Hop. Ça, on va tout jeter. Ouais, mais le porte pas, non, c'est pas grave. Même si je suis pas très riche. Re-TP toi. Alors. Ouf. Alors là, je crois que c'est tous les stuff, non? Ou c'est un minimum de stuff? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est vrai que moi j'avais rien de tout ça avant. Full kit et pillage là. C'est un piège? What? Mais comment t'es arrivé sans... Sans bridge? Bridge. Bon bah les gars, ça fera une vidéo piège. Comment il est arrivé ici? Bon. Sur la prochaine vidéo du coup ça. Vous savez c'est quoi la prochaine vidéo sur Sky? Bah sur Everfight. Hop. Du coup voilà, c'est la prochaine vidéo sur Everfight, donc je vous en dis pas plus les amis. Ça c'est masqué, il y a pillage. Ah ok, je crois que c'était un pillage. Oh ouais. D'accord, en gros ça c'est un retour de pillage. What the fuck, mais zinc. Il y a full P4. Bon, je vais pas mettre des autres items parce que c'est pas à moi, mais voilà. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là, les amis. On se capte dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, certainement, vu qu'il y a bientôt reprise des cours, etc. J'ai des trucs à faire. Ou demain, même des vidéos sur Krypton. Bref, neuf tester la mise à jour d'Everfight. Voilà, tout simplement, je suis dans la two-piece et je pense c'est la meilleure faction actuelle du serveur. Du coup, voilà, soit sur mes streamers, les amis. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de participer pour les 500 promotiques.